Et aujourd'hui, on est chez Amélie. On est à Toulouse. Merci beaucoup de m'accueillir. Avec plaisir. Je suis trop contente. Et en plus, je suis doublement contente parce qu'Amélie me laisse la présenter. Et je peux dire que je suis plutôt douée pour faire ça. T'es créative, t'es passionnée du féminisme, du féminin, du développement personnel, de la création. Tu cuisines comme une déesse végane, voilà. Et surtout, tu as un blog qui s'appelle Bambi Chose, que je suis depuis de nombreuses années, écoute, pour tout te dire. Et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, on va parler de blocage de créativité. Ouais. Exactement. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. J'ai été créative pendant longtemps. J'ai fait des études artistiques même. J'ai totalement arrêté à une période. Ben, je pense que je me suis énormément dévalorisée. D'accord. Et en fait, j'avais l'impression que tout ce que je faisais, c'était de la merde, en fait, en gros. J'ai fait ce qu'il aurait pas fallu que je fasse, c'est-à-dire que je me suis comparée. Internet m'a tuée, clairement. Ah, Internet m'a tuée. Restez là. Pinterest, c'était terrible pour moi. Et j'ai arrêté totalement, en fait, de créer, de dessiner, parce que je dessinais, je faisais de la peinture, je faisais plein de trucs. J'ai arrêté pendant bien 5-6 ans, quand même. Non, rien du tout, quoi. Non, plus rien du tout. Et d'ailleurs, je pense que j'étais un peu incomplète, on peut dire ça comme ça, parce que du coup, j'étais pas bien, parce que je pense que quand on crée, on exprime une part de soi, à partir du moment où on la tait. Mmh. Hein, c'est comme ça qu'on dit. On la tait. À partir du moment où on dit on la laisse pas s'exprimer, je pense qu'on laisse pas exprimer une partie de soi aussi. Mmh. Ça manque, en fait. Je pense que ouais, on n'est pas entière. Voilà. Et est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont permis de développer, de débloquer les moments creux comme ça de créativité? Je vais t'en parler parce que j'ai plein d'outils super qui m'ont énormément aidé en fait pour débloquer tout ça. Ouais. Et avant, je te propose qu'on fasse une carte mantra. Okay. Donc les mantras chez moi, ça marche super bien. Quand j'ai passé mon permis, j'en avais affiché plein sur ma porte d'entrée. Okay. Je crois que j'ai eu mon permis, donc ça doit fonctionner. Je crois, je roule des fois, je suis pas sûre. Qu'est-ce que c'est un mantra du coup? Alors un mantra, c'est une phrase que je me répète tous les jours qui m'aide à avancer. Par exemple, tout à l'heure, je disais que je me sentais nulle quand je faisais des créas. Mais la carte, en fait, on va la lire tous les jours. Ouais. Et en fait, on va s'en convaincre. Le cerveau à se convaincre que c'est le cas, puisque de toute façon, c'est le cas. Oui. Et donc, on choisit une phrase qu'on aime. D'accord. Donc une phrase qui nous parle, qu'on a lu quelque part, ou on a vraiment des choses sur lesquelles on a envie de travailler. Et on va les écrire sur cette carte, et ensuite on va les allier avec des collages, de la peinture, ce qu'on veut. Enfin, il faut vraiment se faire plaisir avec la carte. Moi, j'aime bien dire qu'il faut la sentir vibrer. Moi, j'aime bien tout ce qui vibre. Moi aussi. Voilà. Ce qui est un peu bizarre, sortir son contexte, encore une fois. Et non, mais voilà, les couleurs, par exemple. Oui. Tu vois, exact. Par exemple, ça oui. peut être de couleur. Ah oui. On va partir sur une carte, donc soit blanche, soit de couleur. Ok. On va choisir une phrase, puis on va vous montrer comment faire. C'est hyper facile. Et moi, après, je les emmène avec moi partout, ou alors je les colle au début de mon cahier. Comme ça, tu tombes dessus à chaque fois. Exactement. Comme ça, tu tombes dessus à chaque fois. Ouais. Ah, donc, fais-toi un thé. Ça va durer longtemps. T'as l'habitude maintenant sur ma chaîne. Les vidéos sont très longues, comme ma top que j'ai pas. J'aime bien travailler sur des cartes vierges, donc parce que j'aime beaucoup tirer les cartes et les tarots. Donc, je m'en suis inspirée. Je suis partie de là à la base. Okay. J'ai trouvé en fait ces petites cartes là. Donc, on peut les customiser recto verso. Elles sont ni trop grandes ni trop petites, donc je trouve qu'elles sont très bien parce que justement elles passent bien dans un carnet ou dans le sac à main. J'en ai même certaines que j'ai plastifiées. C'est un peu comme des gris-gris mais en papier. Je les ai trouvées au niveau, je crois que c'est le scrapbooking. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait elles sont de toutes les couleurs. Donc là, on peut vraiment se faire plaisir sur les couleurs. Mais en fait, on a un côté lisse et un côté... Un côté granuleux. Regarde, granuleux. Je te montre. Toi qui es derrière l'écran. Voilà. Et là, c'est le côté lisse. Est-ce que tu l'entends, le côté granulé? Voilà. Je pense que oui. On a deux formats différents, ou couleurs, donc tu vas pouvoir choisir ce qui te fait plaisir, et puis on y va. Oh, choisir, non. J'ai découpé plein de petits papiers. Je découpe tout ce que je trouve. D'ailleurs, on m'appelle Miss Papier à la maison, je ramasse tout ce que je trouve. Et ensuite, je découpe des phrases, des visages, n'importe. Et en fait, on va les mettre côte à côte, et en fait, pour moi, ça veut dire que l'âme parle. Et ça vient tout seul en fait. Et on découvre, en les mettant côte à côte, ça raconte une histoire et ça va avec ta phrase et ça match quoi. Du coup, tu choisis la phrase que tu veux, le support que tu veux, les médiums que tu veux. Si t'aimes pas le collage, tu dessines, tu peux peindre. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre des paillettes, des tampons, des paillettes, tout ce que tu veux. Je pense que c'est ça justement, si le but c'est de commencer à débloquer en faisant un truc assez perso et simple, ouais. qui te parlera qu'à toi. Alors, ma carte sera pas la même que la tienne. Non. C'est important de choisir quelque chose qui te stresse.
stresse pas. Si par exemple, tu rêves de faire de la lino comme Lison, et que tu maîtrises pas du tout, commence pas par un truc qui te stresse C'est pas le but. Voilà, prends quelque chose que tu sais faire. C'est pas le but. Et puis n'importe quelle phrase qui te parle, t'es pas obligé d'avoir un truc hyper spirituel. Si ta phrase c'est je suis créatif, ouais, c'est bien ça. C'est très bien. C'est très très bien. De toute façon, on n'est même pas obligé de la montrer. Moi, je vais partir sur une blanche. Et je crois aussi parce que ça me. Elles sont très belles en couleur, mais du coup, elles me bloquent en couleur. Est-ce que c'est pas ce qu'on veut pas, justement? Voilà. T'as pris quoi comme collage? Alors là, j'ai pris plein de trucs. Alors, j'ai une petite astuce pour les collages. Donc déjà, je découpe énormément dans les magazines et les vieux livres d'Emmaüs. Je me sers chez... je crois que le site, c'est Rookie. Oh oui, Rookie Mag. Ouais, Rookie j'adore, oui. Et en fait, elle fait plein de trucs comme ça. Elle fait des plaquettes de collages à faire par semaine. Et souvent, je les télécharge et voilà, ça s'en fait partie, les petits vaisseaux spatiaux. Ça, j'adore. D'ailleurs, il est conduit par des femmes. Yes. Je sais pas comment elle se débrouille, mais en tout cas c'est hyper inspirant et souvent les collages, il se passe un truc quoi. Sinon j'ai une pochette. Elle a bossé. La pochette surprise dans laquelle en fait je garde, oula, tous mes bouts de papier. Tu verras qu'elle est très grande. Oh my god, il y a des morceaux de ballon dedans. Il y a une fête entière, tu regardes. Il y a toute une teuf. Hey Francis, prends-moi une bière. Exactement. J'adore. Et donc là, on a plein de choses qu'on va... Je découpe par taille, les lettres, etc. Je sors tout. Mon merdier, comme on dit. Et je sors mes crayons, mes peintures. Et en fait, une fois que j'ai tout dans les yeux, eh ben, en fait, je me dirige instinctivement vers ce dont j'ai besoin. J'aimerais, avant qu'on commence, que tu montres ta trousse. En plus, elle a des petits ours et des renards dessus. Et alors, ce que j'aime faire, parce que ça fait partie de mon kiff, c'est que je dégage. Oh là là. Ça, c'est ma pochette que je traîne. Attends, mais j'ai tellement envie d'en faire une. Ouais. Oh, il y a des toilettes. Attends, mais il y a des toilettes. Si tu ne le sais pas, va sur mon compte Instagram parce que j'ai une story permanente sur les toilettes qui s'appelle Passion WC. Et à chaque fois que je vais dans des endroits cool, je prends les chiottes en photo et du coup je les partage sur Instagram. Les golden chiottes, mon gars. Les golden chiottes. Il faut tout mettre sous ses yeux. Enfin voilà, en fait le cerveau il fait le lien tout seul. Quand je me sens un petit peu angoissée, je me dis oh mon dieu, mais qu'est-ce que je vais coller sur cette carte? Je fais un cadre. Enfin, je vais faire un cadre en fait, alors avec des petites fioritures. J'adore ce mot. Je vais faire des petites feuilles ou des choses comme ça pour encadrer. Et en fait, souvent quand c'est encadré, je sais pas pourquoi, mais ça rassure. C'est un petit peu comme quand on fait des petits dessins. Eh ben, c'est beaucoup moins impressionnant que de faire un gros dessin sur une grosse page. C'est vrai. Pareil, le même côté, je commence avec ma page blanche, mais je reste pas longtemps sur une page blanche, parce que sinon c'est... Ouais, exactement, c'est ça. Je vais te dire ma phrase. Attention, accent anglais incoming. Three things. Je sais pas dire le mot 3 en anglais, il faut le savoir. Moi, quand je dis 3 en anglais, ça ressemble à three, un arbre. Three things cannot be long hidden. The sun, the moon, and the truth. Oh, c'est joli quand même. Donc, trois choses ne peuvent pas rester longtemps cachées. Le soleil, la lune et la vérité. Alors, apparemment, c'est Bouddha, mais il y a des gens qui disent que c'est pas Bouddha. Donc, on va dire que peut-être c'est Bouddha, peut-être pas. On ne sait pas. Alors, moi, ma phrase, je l'ai choisie simple. J'ai de l'énergie, de la force et du courage. C'est marrant, on est parti sur un truc triple, toi, une trinité, comme moi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Symétrie. Ah. Et donc, pendant qu'on va faire ça, bah, tu vas me raconter un petit peu, toi, qu'est-ce qui t'a permis de ressortir de cette période où t'as pas du tout créé? Clairement, c'est le bullet journal. J'ai découvert le bullet journal qui, pour moi, ne me parlait pas du tout à la base. Et je me suis découverte une passion, mais littéralement une passion pour le bullet journal, où je me suis mise à créer et surtout à me tromper. Parce que pour moi, en fait, c'était important d'apprendre à me tromper. Il y a beaucoup de gens qui n'essayent pas parce qu'en fait, ils ont peur de se tromper. Et pour moi, c'est important de se tromper pour apprendre. Et le bullet journal, en fait, m'a appris à raturer, à me dire, bah, tant pis. C'est comme ouais, ça. C'est hyper important voilà. De se dire que c'est pas nickel et on s'en fout. Ouais, on s'en fout. On s'en fout. Exactement. C'est difficile de lâcher prise. C'est difficile et surtout qu'aujourd'hui, je pense qu'avec ce qu'on voit, c'est encore plus difficile parce que
On a les réseaux sociaux qui ne nous aident pas, parce que forcément, on a tendance à montrer ce qu'on fait. On va automatiquement se juger. Et le bullet journal, bah, moi, vraiment, je me suis dit, je lâche, je rature, je plie. Donc, j'en ai fait un, puis un deuxième. Et là, en fait, ça a été mais vraiment... Enfin, moi, pour moi, il a été une révélation. Il est bien plus qu'un planeur. Pour moi, c'est un outil vraiment de développement personnel qui m'a permis bah, de me rencontrer. Je suis allée à la rencontre de moi-même. Et puis après, bah, ça a été crescendo. J'ai découvert plein de choses qui pouvaient débloquer vraiment la créativité. Et j'ai repris mes crayons. Maintenant, ça fait un an, je crois. Pas plus. Un an. Hé, hey, joyeux anniversaire de Bullet Journal. Merci. C'est cool. Je le conseille à toutes. Qu'est-ce qui t'a permis de quand même y aller? Je suis passée vraiment au début par l'organisation. Parce qu'en fait, j'avais du mal à retenir tout ce que j'avais à faire dans une journée. Entre mon quotidien, mes activités en dehors, etc. Donc je me suis mise à faire un planeur. J'ai commencé avec les gratitudes. Ok. Les gratitudes, pour moi, elles ont changé ma vie et ma créativité. Puisqu'en fait, je remercie tous les jours ce que j'ai aimé dans la journée. Je fais ça avec César aussi, avant d'aller se coucher. César, c'est son fils. Voilà, c'est mon bébé. Et en fait, le but, c'est de dire merci. Pour ce qu'on a passé dans la journée, ça peut être des toutes petites choses du quotidien, ce qu'on a mangé, un repas qu'on partage avec ses amis le midi. C'est péter le bill, les gars, c'était ça. On va remercier le quotidien. Donc au début, je faisais 4 lignes, 5 lignes, c'était hyper dur. Et après, j'ai entraîné mon cerveau et maintenant, j'en fais 2 pages minimum. Donc les gratitudes, c'était le début. J'ai trouvé ça trop cool, donc j'ai dit, on va continuer. Et après les gratitudes, je me suis mis à me renseigner sur ce que je pouvais ajouter dedans. Donc j'ai pas mal regardé sur Internet quand même, je me suis beaucoup inspirée des Américaines. J'ai réalisé qu'en fait, on pouvait mettre plein d'autres choses dans le bullet journal et bien plus que simplement s'organiser sa journée. Ouais. Je me suis beaucoup intéressée au féminin entre-temps. Ça s'est croisé. Okay. Et je me suis mise à faire mes cercles lunaires qui expliquent en gros le cycle féminin et les règles. Ça, celui-là, je l'ai fait avec un tampon que j'ai fait en linogravure. Voilà, un tampon de lune que j'ai fait. C'est toi qui l'as fait? Ouais. Mais il est beau. Ah, il est super beau. Merci. Et en fait, je note tous les mois comment je me sens. Vous pouvez voir sur mon blog sur bambichose.com, j'explique comment faire le cercle lunaire qui est tiré du merveilleux livre rouge. Lune rouge. Livre rouge. Livre rouge, un truc de communiste. De Miranda Gray. Donc avant, je le faisais comme ça. Il y a 28 jours dans le cycle et j'explique comment je me sens dans les 28 jours. Donc ça, j'ai fait ça, j'ai rajouté ça avec les gratitudes. Et puis après, j'ai rajouté tout plein de choses sur le développement personnel. Et puis là, on s'arrête plus, quoi. Donc ça, c'était le bullet journal qui a commencé. Et je me suis mise à faire des dessins dans mon bullet journal. Des petits doodles, en fait, tous les jours, pour représenter ma journée. Ah, c'est trop bien. C'est cool aussi. Et du coup, là, c'est pareil. C'est comme la carte mantra, c'est petit. Donc on se sent rassuré, on fait un petit dessin de ce qu'on a aimé dans la journée. Et est-ce qu'il y a des livres qui t'ont permis un peu de travailler là-dessus? J'ai démarré avec Femmes qui courent avec les loups. Et oui, j'en ai parlé dans un article que je mets dans la description, hein, ne t'inquiète pas. Qui globalement regroupe toutes les lectures qu'Amélie m'a conseillées il y a un an de cela, quand on s'est rencontrés pour du woofing. Voilà, je te mettrai le lien. Je suis partie de Femmes qui courent avec les loups, elle parle de la créativité sauvage. Et la créativité sauvage, c'est quoi en fait? C'est ce qui est au fond de nous. Okay. C'est ce qu'on va aller chercher. Alors en l'occurrence, je parle d'un point de vue féminin. On va laisser exprimer le cœur, l'âme, l'esprit. Et c'est pas forcément ordonné, c'est pas forcément propre, c'est pas forcément clean ou forcément instagrammable. Mais c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on a besoin de laisser sortir, qu'on a besoin d'exprimer. Après, j'y suis allée crescendo, j'ai découvert Anne-Marie Jovin. En fait, qui a fait le nouveau journal créatif. Et ça, en fait, c'était génial. C'est vraiment un outil d'exploration de soi pour découvrir, en fait, par le biais d'exercices pratiques, comment faire, en fait, c'est pour un épanouissement général, par le biais de l'écriture, le dessin et le collage. D'accord. Ça, donc, en plus, ça te donne un petit peu des médiums différents que t'as peut-être pas forcément exploré encore. C'est génial. Le collage, par exemple, c'est un truc que j'ai eu énormément de mal à faire et à m'y mettre. J'étais complètement bloquée sur le collage. Ok. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression que tu fais que ça. Ah ouais, non. Non, c'est vraiment le médium que j'ai eu plus de mal à utiliser. L'écriture, c'est génial. L'écriture, par exemple, comme l'écriture automatique. Voilà, ça m'a beaucoup aidé, l'écriture automatique, écrire pendant un quart d'heure non-stop sans s'arrêter. Au bout de 10-12 minutes, le cerveau, c'est comme si le cerveau lâchait. Et moi, j'appelle ça la réponse au bout du crayon. Et on se met à écrire des choses qu'on a besoin de libérer
ou auxquelles on pensait pas, des choses qui nous... qui peuvent obstruer l'esprit ou auxquelles qu'on peut ruminer et qu'on a besoin de libérer. Ça a été pas mal aussi, moi. D'ailleurs, je le fais tous les matins. Ok, avec le café, le thé. Avec mon thé, exactement. Et ça, je l'ai tiré de Libérer votre créativité de Julia Cameron. Ça a été un best-seller aux États-Unis, on l'a connu, on l'a vu beaucoup. Et donc, qui explique clairement de ne pas se laisser guider par ses peurs. Elle appelle ça la Bible des artistes. De s'y mettre, quoi, vraiment, d'y aller, de foncer. C'était une belle aventure. C'est carrément des exercices sur 12 semaines. Ah oui, d'accord. Bah, c'est un programme. C'est trop bien parce que c'est un peu dans la continuité des challenges qu'on voit sur le net. J'ai fait des études de mode, donc des études créatives en l'occurrence. Et en fait, je me suis rendu compte que l'insécurité face à ce qu'on produisait, que ce soit en dessin, en textile, peu importe, c'est un truc de créatif, en fait. C'est tes tripes, quoi. C'est toi que tu déposes sur ta table, comme ça, et qui est visible de tous. Ouais. Et donc forcément, des fois, t'es dans un système de comparaison qui est pas sain, parce que, voilà, c'est comme comparer deux pieds, hein, on a chacun des pieds différents. J'aurais pu prendre n'importe quelle autre partie du corps beaucoup plus sexy. Mais moi, j'aime bien les pieds, donc j'ai choisi les pieds. C'est tellement humain de vouloir se comparer. Et en fait, quand je me suis rendu compte que ce doute, il était partagé, eh ben, ça m'a fait du bien. Parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas que moi qui étais dure avec moi-même. Que c'était quelque chose de normal. Et du coup, ça m'a donné envie d'être plus compatissante envers les autres. Et aussi plus compatissante envers moi-même. Ouais, mais c'est important. Et ouais, je pense que ça a changé pas mal de choses quand j'ai compris ça, quoi. Et quand t'as vraiment plus aucune inspiration, que tu vois que t'es vraiment arrivé au bout, je sais pas, t'as envie de produire quelque chose, mais ça vient pas, est-ce que t'as des astuces Moi, je pose mon stylo et je fais « Ok, je me casse. » Et je vais marcher pendant 10 minutes. Mais par contre, je vais faire attention à tout ce que je vois autour de moi, les couleurs des murs, des volets, de comment les gens sont sapés. Je fais une pause quand j'y arrive pas. Ouais, c'est important. Je m'oblige pas, ouais, je m'acharne pas. C'est que c'est pas le moment. Et effectivement, je fais autre chose. En général, je cuisine. Ça marche super bien. Comment tu fais pour arrêter de te critiquer dans tes productions, par exemple, dans tes réalisations créatives? Comment tu fais? Eh bien, alors déjà, je me l'interdis. Vraiment, je m'observe, j'observe vraiment ce que je dis. J'ai pendant 4 jours, dans mon bullet journal, encore une fois, j'ai fait la liste pendant 2 jours de toutes les fois où je me critiquais, et je me suis rendu compte que c'était énorme, mais vraiment énorme. Je critiquais tout ce que je faisais, et j'avais cette petite phrase terrible qui disait « Putain, je suis conne. » Attends, on a tendance à dire « Ah mais oui, je suis con !» Alors ça, non. Guilty. Ça, c'est interdit, ça. D'ailleurs, avec une copine, on se dit souvent, quand on fait ça, on dit « Non, 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 bisous. Bisous. Pardon. Voilà. » Faut se dire pardon. C'est vachement important de se dire pardon. On ne se dit « Oh non, on n'est pas con. Non, on n'y a juste pas pensé. Pardon, je m'excuse d'avance à toutes les Géraldines, puisqu'en fait, ma mauvaise voix s'appelle Géraldine. Je suis désolée, Géraldine, des Géraldines, de toutes les Géraldines qui me regardent aujourd'hui. » Et en fait, je l'ai appelée Géraldine, je ne sais pas pourquoi on a trouvé son prénom un soir comme ça avec des copines. Et Géraldine, dès qu'elle me critique, elle dégage. Donc en fait, j'ai dessiné, je dis « Va-t'en, Géraldine !» Comme ça, ça peut paraître un peu fou. Oh, ta gueule, Géraldine. Ta gueule, Géraldine, dégage. Voilà. Pardon, pardon, vraiment pardon. Et ça marche bien parce qu'en fait, j'ai nommé ma voix. On lui donne le nom qu'on veut. Mais le but, c'est de la nommer. Comme ça, en fait, finalement, on la fait exister. On sait que, en fait, c'est pas nous, c'est la petite voix. La petite voix méchante qui critique à l'intérieur de soi. À chaque moment où je me mets à créer quelque chose, soit j'écris Géraldine, et vraiment j'ai dit, petite voix Géraldine, c'est pas la peine de venir dans mes travaux parce qu'aujourd'hui j'ai pas besoin de toi. Et je chiffonne mon papier et je le jette. Soit je m'interdis d'y penser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'entends, ouais mais attends, mais ce que t'es en train de faire, c'est complètement de la merde. Et ben je dis, bah non, bah, tu dégages Géraldine, allez tu sors Géraldine, je t'en vas. Et ça marche bien parce que maintenant je me critique plus. Et si c'est pas bien, je laisse tomber, je vais faire un tour. Je pense que je vais penser à ça, toi aussi, si tu as un nom un nom comme ça auquel tu penses, de petite voix relou qui t'empêche de faire des trucs, voilà. Donne-moi tes idées de petite voix, de nom de voix dans les commentaires. Ah, je veux bien savoir. Tu vois, pour le coup, moi, je m'encourage avec Francis, en fait. Francis, comme dit, c'est le nom que je donne à tout ce que j'aime, à tout ce qui me fait rire. Ouais. Et je me souviens dans un article que j'ai écrit pour Mademoiselle, où j'explique que pour moi, le printemps, c'est mon nouvel an à moi, ou qui est en fait
mon regain d'énergie qui est le tremplin à toutes les choses que j'ai envie de faire l'année. Hein, je le fais pas aujourd'hui, je le fais au printemps. Ouais. Et en fait, dans l'article, je présente Francis, ma créativité. J'ai pas de nom pour les petites voix qui me font chier, mais j'ai un nom affectueux pour la partie... On va dire, c'est enfin un peu schizo... oui, c'est-à-dire Francis, quoi. Francis, c'est moi, c'est toi. Et du coup, je m'encourage. Je suis là, allez, allez, Francis. Ben voilà, ben c'est le même principe, en fait. Ouais. En fait, à partir du moment où tu nommes, tu fais exister. C'est vrai. Et donc, à partir du moment où ça existe, c'est quelque chose que tu peux soit garder, soit dégager. Je vais faire... Ben, peut-être que toi, tu vas trouver un nom de créativité. Un petit nom que t'appelles, comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est moi, une bonne idée. Moi, je vais trouver un nom de, ouais, de choses que je rejette. Exactement, c'est une très bonne idée. Je vais y réfléchir, moi aussi, de mon côté. Ouais. J'aime beaucoup faire cet exercice, souvent. Vas-y, non, je t'en prie. Mais si, Seattle. Comment tu te la racontes? Fallait que je la casse. Moi, fallait je fais des voyages. Parce que j'aime beaucoup travailler sur l'enfant intérieur. Je me dis, est-ce que je m'adresserais de cette façon à un enfant? Ouais. Voilà. Donc, j'imagine que la réponse est souvent non. Bah, est-ce que, je sais pas, je m'imagine, bah, moi en l'occurrence, mon fils, le regarder dessiner et me dire oh, putain, c'est moche. Ouais. Ça chie ton truc, ah, mais c'est de la merde. Tu pouvais pas mieux faire. Non, clairement, je pourrais pas lui dire ça. Au contraire, même si des fois bah, c'est difficile pour lui, je vais l'encourager et puis bah, je vais l'aider, on va trouver des couleurs ensemble, etc. Donc, bah, je fais la même chose pour moi. Ouais. Je me parle exactement comme si j'étais une enfant. Eh ben, t'as raté, c'est pas grave. Voilà. T'as raté, c'est pas grave. On va faire autrement. On va trouver une solution aussi. Et toujours, c'est super important pour moi, c'est tourner les choses en positif. Est-ce que tu penses que le fait de se critiquer, c'est quelque chose de très féminin? Par exemple... C'est-il pas bientôt fini, là? Vilaine! Merde! On vous entend, hein, je vous ferai dire d'abord. Ça, c'est Maya. Ça, c'est Gaïa, là. Bonjour. Bonjour. Et ça, c'est ton cas. Ton cas, dis bonjour. Bon, c'est fini, on peut tourner, là? Merci. Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'en fait, depuis toute petite, bon, encore une fois, c'est ma vérité, hein, c'est pas forcément une généralité, je trouve qu'on a tendance à s'autocritiquer beaucoup plus facilement et à se dévaloriser. Et à pas se lancer. Je pense vraiment que ça vient d'un point de vue d'éducation aussi, dans le sens où les filles, on a ce... ouais, cette éducation de faire bien les choses, de faire propre, que ce soit beau, que ce soit mignon, que ce soit girly, je déteste ce nom, j'aime pas girly, que ce soit mignon, que ce soit fille, quoi, finalement, fille. Mmh. Et je trouve que ça va avec la créativité. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de créations féminine sur les réseaux sociaux où c'est statique, quoi. On a l'impression qu'on n'ose pas sortir du cadre, qu'on est on est conditionné, enfin on est vraiment dans un, ouais, voilà, dans le cadre, et on n'ose pas dépasser, quoi. On n'ose pas dépasser. Et j'ai eu le plaisir d'avoir des femmes qui m'ont envoyé des choses qu'elles avaient faites où elles s'étaient vraiment lâchées et où elles m'ont dit mais ça m'a fait un bien fou, en fait, de pas me juger, de pas me dire ouais mais c'est pas réussi. J'ai reçu des mails vraiment qui m'ont bouleversée, de femmes qui avaient envie de créer et qui me disaient mais j'y arrive pas parce que c'est moche, parce que je suis pas douée. Alors ça, c'est le truc à jeter à la poubelle, je ne suis pas douée, ça n'existe pas. Le but, c'est pas d'être douée, le but, c'est vraiment d'avoir envie et d'exprimer quelque chose. En fait, on n'est pas là pour être douée, on n'est pas là pour le montrer au monde entier, ni se dire si c'est beau ou si c'est pas beau, parce qu'en plus, pour moi, la beauté, c'est vraiment subjectif. La beauté, c'est subjectif, oui. Ouais, c'est ça, c'est subjectif. Et personnel aussi, la perception. Complètement. On peut voir, enfin, on a tous notre vision de la beauté, donc je pense vraiment que il faut pas se cantonner à ça, et il faut le faire pour soi. Enfin, ça, c'est hyper important, il faut vraiment le faire pour soi, parce qu'on a quelque chose à dire. Enfin, on a toutes des choses, des merveilles intérieures. On a toutes des choses à exprimer. Et c'est dommage. C'est dommage de pas le faire. Parce qu'en fait, une fois qu'on a relié, en fait, on s'est relié à notre créativité, on retrouve cette part manquante, en fait, qu'on peut avoir. Et
Enfin, pour moi, se reconnecter à sa créativité, enfin, ça a été magique, quoi. Je me suis rencontrée, j'ai eu des moments de d'euphorie, mais qui étaient dingues, où je me disais, mais ouais, mais je peux tout faire, en fait. Je suis capable de tout faire. Et je me suis mise à la peinture, je me suis mise à faire de nouveau du papier mâché, j'ai fait de la lino, j'ai fait de la gravure, je me suis remise à la couture. En fait, ça a tout déclenché, en fait, crescendo. J'ai plus ce truc de me dire, ouais, mais non, mais je vais pas y arriver, en fait. Et non, ça, je le fais plus. Je peux ne pas y arriver. J'ai le droit de pas y arriver. Ouais, carrément. C'est important de se dire qu'on a le droit. On a le droit de pas y arriver, mais on n'a pas le droit de pas essayer. Parce qu'en fait, si on n'essaye pas, on saura pas. Et je pense que la créativité, elle est vraiment en chacun de nous. Et elle fait partie de l'humain et elle fait partie de l'énergie qu'on a, intérieure, extérieure, qu'on a à partager. Et elle est importante. Elle est importante dans la vie, pour notre quotidien, partout. Et après, une fois qu'on devient créatif, je vois par exemple avec mon bullet journal, je vais être beaucoup plus attentive à ce que j'ai autour de moi. Donc je vais beaucoup plus regarder, je vais beaucoup plus observer. Tu vas chercher l'inspiration, ouais. Aussi, c'est un muscle. J'ai l'impression que c'est un muscle qui se travaille. Ah oui, ça s'entraîne. Ah ouais, c'est ça, c'est complètement ça, ouais. Et voilà, c'est un cercle vertueux et c'est génial parce que ça s'arrête plus, quoi. Et après, on peut plus s'arrêter. Moi, j'ai eu des jours où je me couchais à 2-3 heures du matin parce que j'étais en train de peindre et c'est ce qu'on appelle le fameux flow, en fait. Donc cette créativité, une fois qu'on est dedans, qui nous berce, et en fait, on oublie totalement ce qu'il y a autour de nous. Et c'est un peu comme de la transe, en fait. Ah oui, oui. Ah, un oui, état de transe, hein, pas la musique transe. C'est pas la même chose. Donc ça, c'est le format pour s'exprimer. Parce qu'en fait, je veux que ce soit dit, on ne peut pas être créative sans avoir un carnet. C'est essentiel. Il faut un carnet qu'on traîne partout avec nous. Et peu importe si au début on l'aime pas ou si on n'a pas envie, etc. Il faut un carnet. Il faut un carnet, des crayons. Petit, grand, n'importe. Et je serais plutôt du genre à conseiller de bien le choisir. Il faut que le carnet, en fait, t'aies juste envie de l'acheter et qu'il te plaise. Et, parce que plus il sera beau, plus t'auras envie de mettre de l'énergie dedans. Et celui-là, il reste à la maison, parce qu'en plus de mon bullet journal, j'ai besoin de grands formats pour exprimer des choses quand je suis, quand j'ai besoin de m'exprimer davantage. Et alors, par exemple, voilà, j'adore ce truc. Donc ça, c'est moi. Enfin, c'était avant, parce que j'étais blonde. Et c'est clairement du mantra, en fait. C'est comme du mantra. Donc, je suis une femme. Je suis forte, puissante, confiante, sereine. Je suis une super maman. Et alors ça m'a énormément aidé à avoir confiance en moi, c'est se dessiner comme une super-héros, comme une super Wonder Woman que nous sommes toutes, et de dessiner vraiment. Alors, si on n'a pas confiance en nous et qu'on sait pas comment le faire, il suffit juste déjà d'y croire et dire à quoi j'aimerais ressembler. Qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais être forte, j'aimerais être talentueuse, j'aimerais avoir plus confiance en moi. Et en fait, on les écrit. Et puis on l'affiche, si possible, quelque part, parce que moi je l'avais affichée, et j'en ai refait une dans mon cahier. Tout le côté, les femmes se critiquent plus, ont plus de difficultés à se lancer de manière spontanée sans avoir peur. Ça a donné naissance à un super projet, ouais, que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? J'ai lancé le Féminité Créativité Challenge. J'insiste sur le créativité parce qu'en fait il y a donc créativité et il y a activité, et activité c'est le fait de se mettre en marche, vraiment de se lancer, et féminité parce que vraiment c'est vraiment une dédicace entre guillemets à mes lectrices, parce que j'ai vraiment des gens formidables tous les jours qui me suivent et qui m'envoient de l'amour. Un petit peu comme vous, par exemple. Voilà. J'ai eu envie de désacraliser la créativité et de mettre en avant par le biais d'Instagram, de mettre en avant en fait nos créations. Donc en fait, le but, c'est que je lance une thématique. J'adorerais le faire toutes les semaines, je pense que c'est trop court. Tous les mois, c'est bien. Tous les mois, c'est bien parce qu'en plus, c'est vraiment un travail d'introspection. Et quand on se met à faire des choses comme ça, on se rend pas compte, en fait, ça remue, en fait, à l'intérieur. Je mélange, en fait, créativité et développement personnel pour désinhiber, vraiment, et motiver à reprendre les pinceaux, les crayons. Et c'est trop bien parce que, du coup, chacun montre un peu ce qu'il fait. Et encore une fois, tu vois qu'il n'y a rien qui se ressemble. Chacun fait à sa sauce. Ouais, c'est juste vrai. Toi qui donnes le thème. Donc il y a eu les mains, les vibrations du prénom, et puis là je prépare l'officiel numéro 2 qu'on peut retrouver sur Instagram, et après avec le hashtag on peut le partager ou pas. On a fini nos cartes.
Donc je rappelle que la phrase c'est « Trois choses ne peuvent pas rester longtemps cachées. Le soleil, la lune et la vérité. » Je l'adore. Coup, tu peux la lire aussi comme ça. Ouais, c'est génial, franchement, je la trouve super cool. Ah, merci beaucoup. J'ai écrit la phrase derrière. Alors, donc moi c'était « J'ai de l'énergie, de la force et du courage. » Et donc bah, j'ai pris un petit collage d'une fille de dos. Et donc elle regarde vers l'avenir, vers l'horizon. Donc elle se décourage pas. Et de l'autre côté, j'ai repris la même chose en mettant « Tu es énergie, courage et force ». Et on peut le lire en fait en la tournant dans tous les sens. Et donc on peut constater que j'ai bavé ici. Et moi aussi. Je crois qu'Élise n'était pas très contente. Là aussi. Au début, elle a super bien attrapé. Mais c'est pas grave. Voilà. En fait, je trouve qu'on dirait, une pierre précieuse, tu sais, où il y a plein de couleurs différentes, ou un petit peu le cosmos, tu vois. Ouais, c'est super. Pas grave. Et bah, le but, c'est de te dire, ça a bavé, et bah, tant pis. C'est pas grave, elle est très belle, ma carte, et je l'aime beaucoup. Et ouais, d'ailleurs, je suis sûre que si vous l'aviez vue quelque part, avouez, vous l'auriez achetée. Je suis trop contente. Ouais, moi aussi je suis super contente de ce qu'on a fait. Et ben merci hein, de tous ces bons conseils de ce moment. J'espère que toi aussi tu vas la faire chez toi, ta carte mantra. Et si c'est le cas, surtout tag moi, tag Amélie sur Instagram. Je vais te donner son site, son compte Instagram, bientôt sa chaîne YouTube. Mettez-lui la pression pour qu'elle s'y mette aussi. J'ai peur. Et puis surtout, donc si toi aussi tu fais ta carte mantra, si tu veux participer au Féminité Créativité Challenge, voilà, n'hésite pas à aller sur Instagram ou sur le site d'Amélie qui s'appelle bambichose.com, mais encore une fois je mettrai tout dans la barre d'infos. Voilà, comme ça tu vas pouvoir suivre tout ce qu'elle fait, rattraper tout ce qu'elle a déjà fait, que tu n'as peut-être pas vu. Oui, garde-toi un week-end hein, clairement, y a des choses à lire. Et voilà, et comme d'habitude en fait, comme toi, je sais que ça te fait extrêmement plaisir de recevoir les réalisations des gens que tu as suscité avec tes propositions de challenge. Moi aussi ça me fait vraiment très plaisir quand tu m'envoies des choses sur Instagram. Donc encore une fois, c'est Élise Francis, tout attaché. Envoie-nous tes créations, s'il te plaît, qu'on voit un petit peu ce que c'est, tes phrases qui te boostent, les choses que ça t'inspire, voilà, comme ça, on en aura plein partout sur Instagram. J'en profite parce qu'en fait, c'est bien parce qu'il y a plein de gens qui vont le voir, et je me dis que j'en profite pour dire un énorme merci à Élise, qui pour moi a été une belle rencontre. Ça fait aussi partie des choses de la vie. Et Élise, pour moi, c'est devenu une amie. Et le fait qu'elle m'invite sur sa chaîne, je suis extrêmement touchée. Moi aussi, ça me fait trop plaisir que tu parles de ça. Je suis très heureuse de l'avoir dans ma vie. Ça fait partie de mes gratitudes plus que mensuelles. T'es trop chou. Parce que je trouve ça génial d'avoir des gens aussi talentueux et créatifs qu'elle, qui te boostent tout le temps. Et c'est important, la créativité fait partie aussi de ça, c'est s'entourer de gens créatifs et plein de vie comme Élise Francis. Comme Amélie, voilà. Bambi. Bon, merci beaucoup. Et puis, écoute, rendez-vous lundi prochain, même jour, même heure, même port. Je fais beaucoup trop cette blague sur Patrick Bruel, mais écoute, je sais pas, ça me fait plaisir. Voilà, rendez-vous lundi prochain à 18h sur Élise Francis. Et puis voilà, amuse-toi bien. Salut, bisous. J'ai oublié un truc. Abonne-toi.